Salut Tokiev, chapeau et Tokiev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Bon, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle sélection, pour la suite de la collection horreur. On va attaquer sans plus tarder, avec le très sympathique Mockingbird. Voilà, alors je sais plus si c'est un film à sketch, c'est un rapport avec des vidéos envoyées, des vidéos anonymes. Ça tourne presque autour du Home Invasion, au niveau du côté de l'ambiance malsain et tout. Très sympathique, je vous invite à le regarder. Omen 4, donc la malédiction 4, que je vous ai pas présenté avec le coffret, bah parce que je me rappelais même plus qu'il avait un, pour être honnête. Donc voilà, je crois que celui-ci, c'est avec une petite fille qui est possédée, je l'ai pas vu. Hein. Voilà. Ensuite, le très particulier, très dérangeant film français, J'aimerais pas crever un dimanche, avec Élodie Boucher et Jean-Marc Barre. Jean-Marc Barre, le grand bleu. Hein. C'est une nana qui bosse ben travail à la morgue. Il accueille le corps sans vie de Teresa. Troublé par sa fascinante nudité, il la ramène à la vie en lui faisant l'amour. Voilà, c'est particulier. Hein. C'est vraiment, vraiment particulier. Je sais pas si c'est la suite directe de Trouble Every Day, mais ça a à voir en tout cas. Donc, je vous invite en tout cas à le voir. C'est une expérience. L'excellent de Sam Peckinpah, Les Chiens de Paille avec Dustin Hoffman. Je vous conseille le remake qui est très bon, Straw Dogs. Mais celui-ci, voilà, la plongée dans la folie d'un homme pour en gros protéger sa femme et sa famille, quoi. Enfin, c'est vraiment excellent. Dustin Hoffman est bluffant dedans. Buried, excellent huis clos avec Ryan Reynolds. Le pitch est simple, un mec est enterré vivant. Le film se déroule entièrement sous terre, avec lui et son téléphone et le peu de batterie qui lui reste. Et voilà, c'est un super suspense. Le final est je trouve, dantesque. Vraiment, je l'avais vu au cinéma, j'avais passé un excellent moment. Film de Rodrigo Cortés. Ensuite, très très fun, Burying the X de Joe Dante avec feu Anton Yelchin qui s'est quand même fait écraser par sa propre voiture. Ashley Green et surtout Alexandra Daddario, donc vraiment un bon gros délire. L'ex morte de Anton Yelchin qui va venir les embêter, lui et sa nouvelle fiancée. Franchement, très très bon délire, du pur Joe Dante, je trouve. L'excellent Sous-sol de la peur de Wes Craven, hein, donc People Under the Stairs. Donc, peut-être un de ses moins connus, mais un de ses plus intéressants, je trouve. Un de ses moins connus pour les pas fans, on va dire. Deuxième Sous-sol, ou P2, alors je sais plus si c'est directement par Alexandre Daraja, je crois pas, hein, je crois qu'il est producteur. C'est le Frank Calfoun. Ah tiens donc, c'est celui qui a fait le remake de Maniac. Ah bah intéressant, excellent deuxième sous-sol. Une nana qui va être pris à partie par le gardien de parking et vraiment vraiment de très bonnes idées de mise en scène. Pas vu celui-ci de Maurice Tourneur, donc film français avec Pierre Freinet notamment, donc La Main du Diable. Voilà, un film, un petit film culte apparemment. Film de 1943. Voilà. Un autre film assez culte et assez vieux, Hands of the Reaper, film de Peter Stasdy avec notamment, c'est pas Christopher Lee, hein. Je sais pas qui c'est. Bah bref, la fille du Jack l'Éventreur, voilà. Donc un B-Movies, sélection de B-Movies. Ensuite, la principale inspiration pour en tout cas la première partie de carrière de Tim Burton, Le Cabinet du Docteur Caligari, que je n'ai toujours pas vu, un film de Robert Wiener. Donc, ouais, je vais pas tarder à me le mater non plus. Hein. Le premier film gore de l'histoire, Bloodfist de Herschel Gordon Lewis, qui enchaînera avec 2000 maniaques. Pas encore vu non plus celui-ci, Bloodfist. Ça, c'était Goldy qui me l'avait fait gagner ou qui me l'avait offert, je m'en rappelle plus. Blue Demon contre le pouvoir satanique, donc c'est avec Santo, le luchador mexicano. Je les ai pas encore vus, hein, pour être honnête avec toi, Goldy, mais tu m'avais dit que c'était assez lent mais assez intéressant. Je me découvrirai ça aussi à NC4. On est beaucoup, beaucoup à voir quand même. L'excellent Jack l'Éventreur. Celui-ci, je crois, est la plus vieille version de 1960. Vraiment bonne. Avec Lee Patterson et Dee Byrne. J'aime beaucoup cette adaptation de Jack the Ripper. Répulsion de Polanski et Catherine Deneuve. Cultissime. Iconique même. Ouais, super intéressant aussi comme film. De Andy Warhol, collection René Château avec Udo Kier, Cher pour Frankenstein, pareil, film assez culte, que je n'ai pas vu. Un autre film que j'ai pas vu avec John Carradine, Le Monde Pétrifié, donc pareil, c'est un très vieux film aussi ça. The Incredible Petrified World, film de 1957. Voilà, j'aime beaucoup les vieux films comme ça, donc Le Monde Pétrifié.
Ensuite, dédicace à toi, Arius Potocris, toi qui es fan de You've Grant, et je crois que t'es beaucoup aussi le film-là, donc de Ken Russell, d'après le roman de Bram Stoker, Le Repère du Ver Blanc, voilà, que je n'ai toujours pas vu, hein. Ça fait un moment que je dois me le mater aussi, celui-ci. Donc, Le Repère du Ver Blanc. Le second, ah non, c'est pas encore, si, il est là. Le second Santo, donc Santo contre l'esprit du mal, voilà, donc pas vu non plus. Avec Barbara Steele, Un ange pour Satan, film de Camillo Mastro 5. Voilà, pas vu non plus celui-ci, donc pareil, c'est un film assez vieux. Hein. Film de. Alors. Je sais pas si je peux le voir. Non. Ouais, bref, on voit que c'est un vieux film. The Black Torment, film avec John Turner, Anne Lynn. Ouais, je crois que c'est un film allemand celui-ci. Robert Hartford Davis, quoique vu le nom, je suis pas sûr. Pas vu non plus celui-ci. Plutôt sympathique, hein, Le Retour de la Créature du Lagon de Jim Wynorski. Voilà, avec Isaure Leclerc notamment. Donc assez cool, ça se laisse regarder, hein, B-Movies. L'excellentissime La Main qui Tue, très cool des années 90. Vraiment génial avec Seth Green. C'est Jessica Alba aussi, je crois. Ouais, enfin, très très bon film. Hein. Très très bon film. BK Bandits 2, toujours pas vu non plus ça, un petit peu dans le même délire que les productions Ross Meyer. Donc Bikini Bandits. Que j'avais chopé chez Noz et que j'ai toujours pas vu non plus, Le Cerveau de la Planète Arrows, donc un film de science-fiction plus que d'horreur, avec John Agar notamment. Voilà, film de 1936. Le cultissime et excellent Hurlement de Joe Dante, voilà, donc The Howling. L'excellentissime également Rape and Revenge de Wes Craven, La Dernière Maison sur la Gauche, Last House on, Dead, on the Left, pardon. Hop. Pas encore vu de John Carpenter avec Jeff Bridges, Starman. Voilà. Assez différent de la plupart de sa filmographie, de ce qu'on m'a dit. Pour terminer, encore quelques-uns. Le cultissime de Brian Usna, La Fiancée de Reanimator, donc le second volet. Qui est moins bon que le premier, mais qui est plutôt cool, hein, un peu dans la lignée de La Fiancée de Frankenstein au final. Un frisson dans la nuit de Clint Eastwood, toujours pas vu, mais pareil, cultissime ce film. Joey's Apartment, excellentissime, avec Megan Ward et Jerry O'Connell, film de John Payson. Un super gros délire. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont vu qui vont être d'accord avec moi. Des cafards, du rock'n'roll, de la bière, enfin, franchement, matez-le si vous l'avez pas vu. Cultissime aussi suivi, mais pareil, toujours pas vu, avec James Farantino, Dead and Buried, titre en français, Réincarnation. Pareil, un film assez vieux, je dirais milieu 70, 80, par là, 81, voilà. Réincarnation, Dead and Buried. Et pour terminer cette vidéo, on va terminer avec du lourd aussi, Mutation, donc Slugs. Pareil, sélection Mad Movies, donc celui-ci est vraiment bon, un film de transformation. Je trouve que Horribilis s'en inspire pas mal. Voilà les amis, c'est ainsi que se conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Pour la prochaine, on se retrouve avec du très lourd, du uncut, du hammer. A bientôt les toqués. Ciao, ciao.